إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. On s'est arrêté à Surat Fatir. Le Cheikh va nous expliquer un des versets de Surat Fatir et qui est un grand verset. Dans ce verset, une annonce est faite aux musulmans. Une grande annonce est faite aux musulmans dans ce verset. Et on va voir quelle annonce. يقول الشيخ قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs nous avons choisi. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres avec la permission d'Allah devancent par les bonnes actions, et Ali devance tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront, paraient de bracelets en or, ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Donc ça c'est le verset 23, et, ou plutôt 32 et 33 de Surat Fatir. 32 et 33. يقول الشيخ يخبر الله تعالى عن عظيم فضلي وامتناني أن اصطفى لهداية إلى الإسلام من شاء هدايته من هذه الأمة بأقسامها الثلاثة الظالمين لأنفسهم والمقتصدين والسابقين بالخيرات وأن كل من هداه الله للإسلام فمآله إلى الجنة ولو ناله ما ناله من العذاب بسبب ظلم لنفسه. Dans ce grand verset, le Cheikh nous dit qu'Allah Azzawajal nous informe de son immense grâce. Cette immense grâce qui se traduit par la guidance de ceux qu'il a choisis sur l'islam. Il nous dit min hadhihi al-umma, parmi cette communauté, et qui est la communauté musulmane. بِأَقْسَامِهَا ثَلَاثَ, c'est-à-dire par ces trois catégories. Donc, ils forment trois catégories. Les gens qui forment la communauté musulmane sont de trois catégories par rapport à ce qu'on va citer. Et comme Allah Azza wa Jal l'a cité explicitement dans ce verset. Et il nous dit le shirk. Et c'est là la grande annonce. Et on va voir, lorsqu'on va le lire du verset lui-même, et qu'on va voir comment on explique cela, et comment on argumente cela, et quelle est la preuve évidente dans ce verset de cela. Il nous dit que tous ceux qu'Allah Azza wa Jalla a guidés sur l'islam, leur fin sera dans le paradis. Même s'ils reçoivent un châtiment, à cause bien sûr, à cause de leur injustice,
l'injustice qu'ils ont fait à eux-mêmes. Ensuite, pour nous détailler, il va nous expliquer le shir, ou plutôt nous citer une des paroles de son shir, qui est shir Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, dans son livre, dans son grand tafsir intitulé Adwaul Bayan, à propos de tafsir surat al-Ma'ida, fi tafsiri surat al-Ma'ida. Fayaqul rahimahullah, قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Il nous dit le shir ici qu'Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala nous rappelle les catégories des gens du livre, et contrairement aux gens de l'islam, les gens du livre, il y a deux catégories. C'est ce qu'il nous dit le shir dans cette parole. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc les gens du livre, deux catégories. Ceux qui sont économes. Et on va traduire cette parole-là, muqtasid, celui qui est muqtasid, par économe. Et qui est en fait plus précis que ce qui est traduit dans le verset, lorsqu'ils disent sur une voie moyenne, qui se tiennent sur une voie moyenne. Donc on prend le terme économe, et qui vient en fait du terme iqtisad, économie ou économique. Ta'ifatun minhum muqtasida fi amali, c'est-à-dire ou fi amaliya, c'est-à-dire une catégorie qui est économe par rapport à leurs actes, par rapport à leurs actions, et une autre dont leurs actions sont mauvaises. Wa kathirun minhum sayyul a'mal. Ça, c'est deux catégorie. Donc on reprend le verset lui-même. Minhum ummatun muqtasida. Donc Allah Azza wa Jalla parle des gens du livre. Parmi eux donc une communauté économe. Wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Et beaucoup d'entre eux, mal est ce qu'ils font, ce qu'ils accomplissent. Et lorsqu'il est venu donc sur la citation de cette communauté, ici Allah Azza wa Jalla, pour donc la communauté musulmane, va nous rappeler trois catégories. Il va nous dire ensuite, donc c'est les catégories qu'on a déjà citées dans le verset. Donc, al-zalim li nafsihi, la personne donc qui a fait du tort à lui-même. Ça, c'est la première catégorie qui est citée dans le Coran. Et on va voir ici, d'après certaines paroles de savants, quelle est al-hikma, quelle est la sagesse, pourquoi Allah Azza wa Jalla a cité la première catégorie, et qui est cette catégorie, yani valim linafsi, celui qui a fait du tort à lui-même. Ça, c'est la première catégorie. Et le shir ensuite va nous expliquer en détail quels sont ces gens, c'est-à-dire quelle est la caractéristique des gens de cette catégorie. Wa minhum muqtasid, donc une autre qui va être économe. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ, et d'autres qui donc devancent, entre parenthèses, les autres par les actions ou par les bonnes actions, les actions de bien. بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ يَقُولُ, on est toujours donc dans la parole de Shir Muhammad al-Amin rahmatullah alayhi. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي الْمُقْتَسِدِ وَالسَّابِقِ وَالظَّالِمِ. Donc il va nous dire la parole qui est la plus apparente parmi les avis qui ont été donnés pour ces trois catégories, ou plus précisément pour la définition de ces trois catégories. Enfin, il nous dit an al-muqtasid huwa man imtathala al-amr wa ijtanaba an-nahy wa lam yazid ala dhalik. Donc al-muqtasid, c'est celui qui a accompli, qui a répondu à l'ordre, aux ordres d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire donc qui a fait ce qui est obligatoire, wa ijtanaba an-nahy, et qui a délaissé les interdictions. Et il n'a pas fait d'autres choses en plus, qui viendraient en plus de cela.
il s'en arrête à ceci. Celui-là, c'est celui qui est économe. Donc on voit maintenant que le terme économe correspond à cette définition. La personne qui est économe par rapport bien sûr à ses actions. C'est-à-dire il fait le strict minimum. Et le minimum au niveau de l'islam, c'est de faire toutes les obligations qui sont présentes dans l'islam et de s'écarter de toutes les interdictions. Ça, c'est le minimum qui est demandé. Et on va voir un peu plus loin, qu'il nous rapporte également une autre définition, le shir, et qui est la même, mais on l'a dit pour encore plus éclaircir. C'est-à-dire, dans son livre, il rapporte deux définitions par rapport à ces termes. Mais comme on a dit, qui sont pareils, identiques. Simplement, les termes changent et ça permet toujours d'avoir plus d'éclaircissement quant à la compréhension de cela. Il nous dit donc dans un autre endroit, ou dans un autre passage de son livre, de son tafsir, Al-Muqtasid, والذي يطيع الله ولا يعصي ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. Donc l'économe, c'est celui qui suit Allah Azzawajal, qui obéit à Allah Azzawajal, mais qui ne lui désobéit pas, il ne fait pas ce qui lui interdit, mais il ne se rapproche pas de lui bin nawafil, c'est-à-dire par tout ce qui est considéré en islam comme surérogatoire, les actes surérogatoires, parmi bien sûr les obéissances. Ça, c'est Al-Muqtasid, l'économe. Ensuite, en revenant à l'autre parole, ou plutôt l'autre définition qu'il nous donne, il nous dit وَأَنَّ السَّابِقَ بِالْخَيْرَاتِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَزَادَ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالنَّوَافِلِ وَتَوَرُّعِ عَنْ بَعْضِ الْجَائِزَاتِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِغَيْرِهِ. Ensuite, après avoir expliqué Al-Muqtasid, il nous explique la deuxième catégorie de personnes parmi les musulmans et qui est le plus haut degré, qui sont ces gens-là les meilleurs de cette communauté. As-sabiqun bil-khayrat, ceux qui devancent les autres, bien entendu, par les bonnes actions. Donc c'est celui qui fait ce que fait Al-Muqtasid, l'économe, mais en plus, wa yazid, il va faire en plus ce qui lui permet de se rapprocher d'Allah Azzawajal par les actes surérogatoires, dans un premier temps. Tout ce qui est surérogatoire, cette personne-là l'a fait. Et on sait que dans les actions ou dans les obéissances, même si on voit parmi les piliers, sans aller plus loin, on voit que dans la prière, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est considéré comme nawafil, les prières surérogatoires. Pour ce qui est de Al-infaq, c'est-à-dire donner l'aumône, on voit qu'il y a la zakat, ce qui est obligatoire, et d'autres encore obligations, comme zakat al-fitr, et comme également Al-infaq al-al, c'est-à-dire subvenir aux besoins des enfants, de sa famille, etc. Et on voit également qu'il y a ce qui est considéré comme surérogatoire, etc. Pour ce qui est du jeûne, de même. Les obligations et ce surérogatoire. Et pour ce qui est du pèlerinage également, faire le pèlerinage une seule fois dans sa vie et ensuite en faire plusieurs, ça rentre dans ce qui est surérogatoire. Pareil pour ce qui est de la umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Donc on voit déjà dans les piliers de l'islam, on trouve ces catégories d'actes. Et il augmente encore le shirk, ou plutôt il nous cite en plus « وَالتَّوَرُّعْ عَنْ بَعْضِ الْجَائِزَاتِ » c'est-à-dire en plus de ça, à titre de précaution et par un caractère de grande piété, ils vont même s'écarter de certaines choses qui sont permises. Et pourquoi cela ? Khawfan min an yakuna sababan li ghayri. C'est-à-dire qu'ils ont peur que cela les amène à faire encore d'autres choses. À faire d'autres choses qui pourraient peut-être les faire tomber dans ce qui est déconseillé, etc. Et ensuite, il va nous citer donc la dernière catégorie, et qui est ici celui qui fait injustice à lui-même. Al-Zalim li-Nafsi. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal l'a cité dans son Coran. Quelle est cette personne-là ? Il va tout simplement nous citer ici, pour la définition, un verset du Coran, et qui fait Surat al-Tawba, et qui est le verset 102. Fayaqul shaykh wa anna al-zalima huwa al-mafkur fi qawlihi khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alayhim. Ou la traduction est la suivante, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises.
il se peut qu'Allah accueille le repentir. Taïb. Ceci en fait est pour les trois catégories que le shir donc nous a citées. Il nous cite les définitions. Et ensuite, il va nous dire une autre parole, shir Muhammad al-Amin, et une parole qui est, comme on l'a dit, une bonne annonce. Yaqul min arja ayatil Qur'an al-Azim, qawluhu ta'ala. Et il cite ensuite le verset que l'on a cité en début de cours et que l'on redit. Man arja ayatil Qur'an al-Azim, c'est-à-dire le verset parmi les versets qui donnent le plus d'espoir. Min arja, le verset qui donne le plus d'espoir aux musulmans. Et qui est cette parole? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Et donc la suite du verset qu'on a déjà cité et qu'on redit encore une fois. Ensuite nous fit méritier du livre ceux qui de nos serviteurs avons choisi. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui sont économes et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Le jardin d'Éden où ils entreront paraît de bracelets en or ainsi que de perles et là leurs vêtements sont de soie. Et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Ensuite il dit le shir. فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إراثة هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Donc il nous dit ici le shir que dans cette parole ثم أورثنا الكتاب, donc qui est la parole suivante, ensuite nous fîmes héritier. C'est-à-dire ici, l'héritage qui était donné à cette communauté, c'est un héritage. Et l'héritage qui est traduit ici par le livre. Il les a donc hérités du livre. Et, comme il est cité, alladhina istafayna, et le verbe istafa qui a pour marna Ikhtara, c'est-à-dire qui a choisi. Donc c'est un choix. Et ce choix, il est de la part d'Allah Azzawajal. Donc c'est une communauté qui est choisie. Et donc toute personne qui rentre en islam, toute personne qui est musulmane, c'est par la volonté d'Allah, c'est par le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la preuve de ce verset, Alladhina istafayna min ibadina, parmi nos serviteurs. Et ensuite, dans le verset qui est donc une grande annonce pour les musulmans. Il nous dit le shir, lorsqu'on revient au verset, et comment le verset est constitué, on s'aperçoit qu'Allah Azzawajal dit, après avoir cité ces trois catégories, il dit, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a. Yadkhulunaha. Ici, yadkhulunaha, comme il va nous expliquer le shir, c'est au pluriel. Le pluriel qui est traduit ici par al-waw. Yadkhulunaha. Yadkhulunaha. Et donc, al-waw, comme dit le shir, al-waw fi yadkhulunaha shamilatun lil-zalimi wal-muqtasid was-sabiq al-tahqiq. C'est-à-dire donc que ce al-waw qui traduit ici le pluriel va englober celui qui a fait du mal à soi-même, celui qui est économe et bien sûr celui qui a devancé. Et c'est pour cela, yaqul shir walida qala ba'd al-ilm, c'est pour ça que certains gens de science ont dit haqqun
لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. Il nous dit, par tout droit, que l'on écrive ce waw, donc qui traduit le pluriel, qu'on l'écrive avec l'eau des yeux, c'est-à-dire avec les larmes des yeux. فَوَعْدُوا أَصَّادِقُوا بِجَنَّةِ عَدْنِ لِجَمِيعَ أَقْسَامْ هَذِي الْأُمَّةِ وَأَوَّلُهُمْ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِي الْآيَةِ مِنْ أَرْجَى آيَةِ الْقُرْآنِ. Et donc Allah Azzawajal, il a cité en premier Zalim li nafsi. Il a cité en premier celui qui a fait du tort à lui-même, celui qui a mélangé mauvaise action et bonne action. C'est celui Zalim li nafsi. Et que celui-là, Allah Azzawajal lui a promis le paradis. Donc à plus forte raison pour ceux qui sont meilleurs que lui, parmi les deux autres catégories. Et c'est pour cela, il nous dit que le shir, il répète que ce verset est le verset qui donne le plus d'espoir. Et lorsqu'il dit qu'on l'écrit avec les larmes des yeux, on comprend d'ici que le musulman, lorsqu'il entend ce verset, il pleure de joie. Il pleure de joie. Mais bien entendu, lorsqu'on dit que « avvalim li nafsi », il rentre au paradis. Est-ce qu'il rentre directement au paradis, cette personne? Ça, bien sûr, seul Allah Azzawajal le sait, et suivant, bien sûr, chaque personne. Mais il faut savoir, et ça, on l'a étudié, dans un cours qui a précédé, il faut savoir que dans le hadith qu'on a étudié, où il est pris une personne parmi les gens ou parmi les mécréants, parmi les gens du feu, et on le plonge un seul instant dans le feu, et qu'il oublie tous les délices qu'il a vécu, tous les délices auxquels il a goûté durant sa vie. Alors il faut savoir que le châtiment d'Allah Azzawajal, même si c'est une seconde, même si c'est une minute ou plus, c'est quelque chose qui est terrible. Donc la personne, tout le temps, elle ne se base pas sur ce verset pour en fait se laisser aller. Bien au contraire, lorsqu'elle connaît le châtiment d'Allah Azzawajal, et même si ce châtiment n'est pas définitif pour ce qui est du cas du musulman, pour ce qui est du cas de la personne qui n'a pas associé Allah Azzawajal, alors il faut savoir que c'est quand même quelque chose de terrible et que la personne fait tous les efforts qu'elle peut faire pour s'écarter de cela. Wallah al-musta'an. Ala kulli hal, mahma yakoun, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, et comme nous l'a dit le shir au début du cours, même si ces personnes-là goûtent au feu, goûtent au châtiment, que ce soit dans la tombe, que ce soit après la tombe, leur devenir, à la fin, ce sera le paradis. Et justement, lorsqu'on parle donc, on a parlé donc d'espoir, et on parle également de crainte, et c'est comme ça que vit le croyant, il vit entre l'espoir, entre la crainte et l'espoir. C'est pour ça ensuite qu'il nous dit le shir, il va nous donner ici la hikmah, la sagesse, pourquoi Allah Azzawajal, dans ce verset, وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ, la science est auprès d'Allah, pourquoi il a été cité الظَّالِمْ لِنَفْسِهِ en début de verset. Donc il nous dit le shir, وَاخْتَلَفُوا أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سَبَبِي تَقْدِيمِ الظَّالِمِ فِي الْوَعْدِ بِالْجَنَّةِ عَلَى الْمُقْتَصِدِ وَالسَّابِقِ. Donc les savants ont divergé pour connaître, pour citer la cause. Quelle est la cause qui a fait que cette personne-là, ou cette catégorie de personnes, celui qui a fait du tort à lui-même, a été précédée, au niveau de la citation dans le verset, sur les deux autres catégories, qui est l'économe et celui qui a bien sûr précédé. Donc il nous rapporte la parole de certains qui disent قُدِّمَ الظَّالِمُ لِأَلَّا يَقْنَتْ, c'est-à-dire qu'on a placé, ou dans le verset il est placé en premier cette catégorie pour pas que la personne ne perde espoir de la miséricorde d'Allah Azzawajal, pour que celui qui a fait du tort à lui-même ne perde pas espoir de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la hikmah, la sagesse que citent certains savants. Ça, c'est pour ce qui est al-zalim. وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. Et il a cité en dernier Allah Azzawajal, السابق بالخيرات, celui donc qui devance les autres par les bonnes actions, pour ne pas qu'il soit لئلا يعجب, pour qu'il ne soit pas étonné de son action. C'est-à-dire يصيب العجب, qu'il soit étonné, qu'il tombe en fait dans l'orgueil, dans la prétention, qu'il soit surpris de lui-même. Et à ce moment-là, lorsque ce qu'on appelle al-ujb, ces actions-là deviennent vaines,
C'est pour ça qu'il nous dit le shir, لِأَلَّا يَعْجَبَ بِعَمَلِهِ فَيُحْبَطْ. Donc afin qu'il continue dans l'effort et qu'il ne soit pas en fait satisfait de lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Car tout revient bien sûr à la grâce d'Allah Azzawajal. وقال بعضهم إدوتر دي قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالم لأنفسهم. C'est-à-dire que on a mis en avant ici, ou il est mis en avant dans ce verset, celui qui a fait injustice à lui-même, car la plupart des gens du paradis sont de cette catégorie. Sont de cette catégorie ceux qui ont mélangé bonne action et mauvaise action. Sont la plupart des gens du paradis. Donc c'est pour ça qu'il a été placé dans le verset ici. لِأَنَّ الَّذِينَ لَمْ تَقَعْ مِنْهُمْ مَعْصِيَةٌ أَقَلْ مِنْ غَيْرِهِمْ. Pourquoi ? Parce que ceux dont il n'advient pas de désobéissance sont bien moins que les autres. Ceux dont n'advient pas de désobéissance. كَمَا قَالَ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Ça c'est fait surat Sad et c'est le verset 24. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Et peu sont-ils. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Ils sont bien rares. Cependant, ils sont bien rares. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Ensuite, le shir, il passe à l'explication d'un verset suivant qui se trouve sur surat Yasin. Donc il prend un verset de surat Yasin et il l'explique. فَيَقُولُ الشَّيْخُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Donc c'est le verset 10 et 11 de sourate Yasin. Ceux qui croient nam. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Bien sûr, al-dhikr, qui est le Coran. Ou avant, bien sûr, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Jamais ils ne croiront. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Le shir nous dit ici, في هاتين الآيتين بيان أن أمة الدعوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قسمان قسم مستفيد من الإنذار وهم المستجيبون لدعوته الداخلون في دين الحنيف وقسم لم تحصل له الفائدة لعماه وارتكاسه في الضلال. Donc il nous dit que dans ce verset Allah عز وجل met en évidence que c'est-à-dire la communauté à qui on prêche, la communauté à qui on invite les gens à l'islam, elles sont de deux catégories. Bien sûr, ici, on avait déjà expliqué ce qu'est Ummatul Da'wa ou Ummatul Istijaba, c'est-à-dire ceux que l'on invite à l'islam, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore musulmans, et ceux, Al-Mustajaba, ceux qui ont répondu à l'appel, et ceux qui sont musulmans. Taïb. Mais de manière plus générale, on peut nommer toute la communauté. Et ici, la communauté des hommes, en fait. Des hommes et également des djinns. On peut les appeler Ummatul Da'wa bien avant ou avant que leur vienne leur appel. Et à ce moment-là, ils vont se diviser en deux catégories. Et une donc des catégories, comme nous explique le shir, ceux qui ont profité de ce rappel ou de cet avertissement, Al-Indhar, avec lesquels sont venus tous les prophètes. Et bien entendu, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi. Et donc ce sont ceux qui ont profité de ce rappel, ou plutôt de cet avertissement, sont ceux qui ont répondu à sa da'wa, à son prêche, ceux qui sont rentrés dans sa religion al-hanif, sa religion, la religion du tawhid, et les autres bien sûr qui n'ont pas profité de cela à cause de leur aveuglement, à cause de leur aveuglement bien sûr dans l'égarement. Et il est clair que celui qui ne croit pas, qui ne veut pas croire, jamais il ne croira. Jamais il ne croira. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous cite dans un autre verset
et qui est donc, comme le cite le shir, semblable quant à la signification du hadith cité qui se trouve sur surat al-Baqarah et qui est le début de surat al-Baqarah, qui est le verset 6 et également le verset 7, où Allah Azzawajal yaqul إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا mais certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertis ou non, ils ne croiront jamais ils ne croiront, subhanallah, jamais ils ne croiront que tu viennes avec tous les versets, que tout vienne avec toutes les preuves, le prophète leur a été envoyé à ces gens. Le Coran est descendu sur eux. Ils ont vu la lune qui s'est fendue en deux morceaux. Ils ont vu tous les versets. Ils ont vu Al-Mu'jiza. Ils ont vu les miracles du prophète. Ils n'ont pas cru. Wallah al-Musta'an. Ils n'ont pas cru. Wa minhum Abu Lahab, où le Coran va nous avertir avant qu'il meure, qu'il fait partie des gens du feu, c'est-à-dire que jamais il ne croira. Wallah al-Musta'an. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Ensuite il nous dit le shir dans le deuxième verset que l'on étudie, et qui est donc le verset 11, يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ou akhwan nam, le verset qui est donc le suivant, le 11, innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim wa ajrin karim. Il nous dit justement que ce deuxième verset étudié, il y a un autre verset qui est également semblable à lui et qui se trouve fi surat al-mulk, et c'est celui que je viens de citer auparavant et qui est le suivant, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Donc on voit que il a exactement le même sens, ce verset. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Donc il nous dit le shir, à partir de ce verset, وَالْمُسْتَفِيدُونَ مِنَ الْإِنْذَارِ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ لِلْوَحِي. Sont ceux donc qui ont suivi la révélation. الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Ce sont ceux qui se sont accrochés, attachés au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. Ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, ceux qui craignent leur Seigneur, que ce soit en secret, que ce soit devant les gens. Donc السِّرِّ, lorsque tu es seul et tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit, et وَالْعَلَانِيَةِ, lorsque tu es également devant les gens. Dans ces deux cas, tu crains toujours ton Seigneur. وَقَدْ وَعَدَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِالْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِمْ وَحُسُولِ الْأَجْرِ الْكَرِيمِ الَّذِي فِي رِفْعَةُ دَرَجَاتِهِمْ وَعُلُوِ مَنَازِلِهِمْ. Et donc, Allah Azza wa Jal leur a promis à ces gens-là, al-maghfira, le pardon de leurs péchés. S'ils font des péchés, Allah Azza wa Jal leur pardonne leurs péchés. Et qu'ils vont atteindre donc, al-husul al-ajr al-karim, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir ce grand et ce généreux, cette généreuse récompense, et qui se traduit donc par l'augmentation de leur niveau en degré, et également l'élévation de leur rang. Allahu Akbar. Et c'est pour ça qu'il va nous citer le shir par rapport à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal fi sir wa fi al-alaniya. Il dit le shir, wa fi sab'ati alladhina yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Donc à propos du fameux hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, et qui cite et qui nous rappelle les sept dont Allah Azza wa Jal va leur faire ombre le jour de la résurrection, là où il n'y aura plus d'ombre sauf celle d'Allah Azza wa Jal. Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Une personne dont une femme, et pas n'importe quelle femme, une femme et pas n'importe quelle femme, une femme qui a en fait un haut degré, un haut rang au niveau de la société, donc une femme qui a de l'importance. Et bien sûr, une femme, lorsqu'elle a de l'importance, lorsqu'elle a un niveau dans la société, c'est une femme dont en fait un nafs, c'est-à-dire l'âme, va être tentée, va pencher vers elle. Imra'atun dhatu mansabin,
Et en plus de ça, wa jamalin. Et en plus de ça, une femme qui est belle. Une femme qui a non seulement une place dans la société où elle vit, un rang élevé, et en plus de ça, qui est belle. Et on se rappelle bien sûr ce qui est arrivé avec Youssouf, alayhi salam. Faqala inni akhafullah. Inni akhafullah. Et qui dit à ce moment-là, où elle va lui faire la proposition, il va lui dire, je crains Allah Azzawajal. Regardez le degré de cette personne-là. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Et une personne qui fait l'aumône فأخفاها, c'est-à-dire qu'il la cache, il cache cette aumône à un tel point que même sa main gauche ne sait pas ce que dépense sa main droite, tellement il cache l'aumône qu'il donne, bien sûr, des yeux des gens. Donc on voit ici, يخشون ربهم في السر يخشون ربهم كما في الآيات يخشون ربهم بالغيب بالغيب. Et également, et c'est le troisième, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Et une personne qui se rappelle d'Allah Azzawajal seul, il est seul lui et Allah Azzawajal, ففاضت عيناه, et ses yeux coulent de larmes. Ensuite, le shir, il nous explique où il passe à un autre verset du Coran et qui se trouve dans surat As-Saffat et qui est le verset 133 et également jusqu'au verset 138. Verset 133 jusqu'au 138. Yaqul le shir. Qawlu ta'ala wa inna lutan la min al-mursalin wa inna lutan la min al-mursalin idh najaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al akharin wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil layli afala taqilun afala taqilun. Ce Ilot, man Ilot, était certes du nombre des messagers quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres. Thumma dammarna al-akharin. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. Wa bil-layli afala taqilun. Wa bil-layli afala taqilun. Et également la nuit, c'est-à-dire et la nuit, nous raisonnez vous donc pas. Il nous dit donc le shir que ici Allah Azzawajal nous éclaircit sur le fait que le peuple de Lot l'a démenti et qu'Allah Azzawajal les a tous détruits, sauf bien sûr Lot et sa famille, sauf sa femme. فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي الْهَالِكِينَ. Elle faisait partie de ceux qui ont été détruits, ceux qui ont été dans la perdition. Subhanallah, la femme d'un prophète. La ilaha illallah. Wa qad ja'ala Allahu diyarahum al-mudmirah fi tariq ahli al-Hijaz ila al-Sham. Et donc leur terre ou l'endroit où ils habitaient et qui a été totalement détruite, al-athar, c'est-à-dire il est resté ce qui est resté, et ça se trouve entre la voie ou le chemin qui mène Al-Hijaz, parmi les gens bien sûr, Al-Hijaz et Al-Sham, c'est-à-dire le chemin qu'empruntaient les gens du Hijaz pour se diriger au Sham, ce qu'on appelle Al-Sham. Et ils passaient en fait à cet endroit-là, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour. Et ensuite Allah Azzawajal, il dit, après avoir cité tout cela bien sûr dans le verset, afala taqilun. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en compte, ils ne vont pas se rappeler, ils ne vont pas prendre comme expérience ce qui est advenu à ceux qui étaient avant eux. Et c'est pour ça, comme a dit Allah Azza wa Jal fi akhir qissati Lut fi surat Hud, wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. C'est-à-dire que ce châtiment, tout ce qui arrive à ces gens comme perdition, n'est pas loin de ceux qui sont considérés comme adh-dhalimin, qui sont considérés comme les injustes. Wallah al-musta'an.
Et donc à travers ce verset, Quraysh, Allah Azzawajal nous montre que Quraysh, donc la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, ils n'ont pas cru et ils n'ont pas pris conscience de ce qui était arrivé avant. Wallah al-musta'an. Et beaucoup de versets sont comme ou traitent de cela, c'est-à-dire par rapport à la demande de prendre en compte ce qui s'est passé auparavant, afin que l'on réfléchisse et que l'on se rappelle le châtiment d'Allah Azzawajal, et que ce châtiment il ne touche que les personnes, va toucher les personnes qui sont injustes, les gens qui sont écartés de la religion. C'est pour ça que l'on retrouve certains versets que va nous citer le shir, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammarallahu alayhim wa lil kafirin amthaluha. Et également dans un autre verset, ça c'est fi surat Muhammad, c'est le verset 10, et dans un autre verset qui est cité par le shir fi surat al-an'am, qui est le verset 11, qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Et donc, les versets suivants, n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il y a devenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. Donc, beaucoup de versets vont dans ce sens dans le Coran. Et également, le verset qu'on a cité, ce qui est surat Al-An'am, dit « Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. » Et il nous dit que les mêmes versets sont venus, fi surat Yusuf, kadalik fi surat Nahl, fi surat Rum, dans deux endroits, et également fi surat Saba, et également fi surat Ghafir, le pardonneur, dans deux endroits également. Donc on voit beaucoup de versets qui nous rappellent cela. Et on sait d'après la sunna du prophète Sam que lorsque l'on passe dans un endroit, sur une terre qui a été châtiée par Allah Azzawajal, alors de passer en accélérant et de pleurer. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passait en fait sur une terre qui a été châtiée par Allah Azzawajal, comme cela est advenu dans les hadiths authentique. Il nous explique également le shir une règle au niveau de la langue arabe. Il nous dit ici wabillayli, donc c'est le ba qui est utilisé, wabillayli. Il nous dit que al ba ici a pour signification yabimarna fi al-zarfiya, fi al-zarfiya. Donc vous savez bien que fi al-zarfiya c'est soit zarfiya lil-makan ou lil-zaman, ici c'est lil-makan ou arfouan lil-zaman, lil-zaman ici c'est lil-zaman, c'est-à-dire c'est en fait bimarna fi, et qui traduit en fait le temps, c'est-à-dire billayl, c'est-à-dire durant la nuit, dans la nuit, lorsqu'il passait durant la nuit, au billayl. Et on voit beaucoup que le ba il a pour signification le fi al-zarfiya, que ce soit zamaniya ou al-makaniya, dans plusieurs versets du Coran, et c'est ce que nous cite le shir kama fi surat as-safat, et qui est le verset 145. يقول الله عز وجل فنبذناه بالعراء وهو سقيم بالعراء وهو سقيم. Donc le verset, nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Donc بالعراء بمعنى في العراء وهو سقيم, c'est-à-dire dans la terre. Et également ici on profite بالعراء que l'on traduit sur la terre, c'est-à-dire on ne comprend pas à l'intérieur de la terre, lakin sur la terre nue. وقوله وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. Donc c'est surat al-Ahqaf, et ça c'est le verset 21. Et également le ba ici a pour signification fi al-zarfiya. Et rappelle-toi le frère des Aad, أَخَا عَادٍ, quand il avertit son peuple à al-Ahqaf, c'est-à-dire ici à cet endroit. Donc ici également al-Mekan, c'est-à-dire à cet endroit-là. وقوله وهو بالأفق الأعلى, وهو بالأفق الأعلى. Ça c'est في سورة النجم, وهو بالأفق الأعلى. Donc بمعنى في الأفق الأعلى. C'est سورة النجم, c'est le verset 7. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, c'est-à-dire dans l'horizon supérieur par rapport donc à cet endroit. Et etc. avec les autres versets qui nous citent le shir. طيب. On va s'arrêter ici inshallah par rapport au cours d'aujourd'hui. On continuera donc demain bi'idhnillahi ta'ala avec surat Sad inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.